nous qui sommes sur la table là pour question Premier ministre, jusqu'à présent, mais que grand pile l'autre nom qui est imbattable en matière de spéculation. Mais toi, non, ça y est, là. C'est Ignace Saint-Fleur, le directeur général du BMBAD. Et si vous avez là que Jovenel Moïse, comme président de la République, vraiment, il t'a souhaité qu'il pour là, il est Ignace Saint-Fleur. Martin débat. Pas oublié, Ignace Saint-Fleur. Non, il doit non, il va dans la tête. Ah, mais ça, il va dans la tête, il va dans la même. Ah bon? Mais pas oublié. Ignace Saint-Fleur, ils sont fidèles de Jovenel Moïse. Mais ils viennent soutenir un parti politique qui est le bouclier. Et bien, c'est la raison qu'on devrait être président de la Chambre des députés, Gary Baudot, dans l'intervention de François Jokis, qui a tout de suite après un conflit avec le président de la République, qui c'était la première rencontre dans le cadre de consultation que le président doit faire avec le président de Chamio. Il te dit, il dit président, malheur à lui-même si c'est un début de mon sénateur qu'il choisit comme premier ministre. Donc, déclaration ça, d'entre Dieu, il mettait sous côté Charles Assensi, ainsi que Joseph Lambert, ainsi que Yuri La Tortue. Dès que beaucoup parlent à sénateur La Tortue, est-ce que c'est vrai ou pas, le président en téléphone pour dire ça, est-ce que c'est vrai ou pas, beaucoup parlent avec moi-même. Et il va appeler tout le matin débat, ok? Matin débat. Et suivre matin débat pour nous faire passer dans le pays. Bah, on pourrait dire cette nouvelle, mais c'est matin débat. Mais madame, monsieur, pas oublier. Côté que l'intervention de Gary Baudot a vint, pratiquement vint, pas fait poids encore. Parce que justement, là, jouer le chat et la souris. Parce que le Gary Baudot comme président de la Chambre des députés fait intervention, il dit que le conseil président pas choisi un parlementaire comme prochain premier ministre. Il était qu'il a gagné dans poche lui, Ignace Saint-Fleur, que bouclier campé de elle. Et c'est même fondateur bouclier, même directeur bouclier. Comprends bien. Maintenant, Gary Baudot, contre qui ça? Il n'y a se représenté dans les yeux du président Jovenel Moïse, même fondateur, même directoire, bouclier. Eh bien, nous disons déjà qu'il n'y a son fidèle. Fidèle à son parti politique, à sa famille politique, fidèle au président de la République, et fidèle à Gary Baudot comme président de la Chambre des députés. Maintenant, si c'est pour éliminer Charles de Chancy avec Lambert ou bien Yuri, il ne vient pas qu'un parce que c'est s'il pas gonzel qui a pris la poche lui. Moun qui a tendé, t'as pris plus d'importance. Mais pas oublier, madame, monsieur, je dis à qui ça passe. Je suis deuxième noir avec nous tout à l'heure. Qui ça passe? Il y a deux boss au niveau de la Chambre des députés. Et deux boss à eux, il y en a l'autre. Il y a un boss qui est le Gary Baudot député, pour l'autre boss qui est le Charles Assensi. Et yo chaque groupe par yo en deux majorité. Maintenant, l'équipe de Charles Assensi vient voir coup que Gary Baudot par yo. Parce qu'elle élimine Charles Assensi depuis en lagan, elle élimine Joseph Lambert, li même d'a élimine Yuri, si effectivement Yuri t'a eu le président en téléphone. Eh bien, on y a. Équipe chose de sentiment, il y a temps comprendre que nécessité pour être dans ce jeu là, pour être vivant, parce que Gary Baudot pas capable d'éliminer comme ça. Madame, monsieur, deuxième nom qui vient sous table, c'est Chastel Pierre. Information. Où est-ce que cloche ça?
Depuis une temps de leçon, on est dans le pays, on est dans le matin de bas. Chester Pierre, le moment où on a parlé là, qui c'est l'actuel directeur de l'ONA, c'est le deuxième nom qui est sous table là. Parce que l'équipe de Charles Echansi, équipe députée qui est dans la chambre députée, quand il a donc M. Baye-Service, ils n'ont pas voulu perdre des choses. Eh bien, ils ont clair sous question. Donc, comme Charles Chesnel, c'est cousin, comme Chesnel, Baye-Service, un paquet de députés avec un paquet de sénateurs, quand il a donc remis Chesnel, mais que quand il y a des gens qui reprochent dans un paquet de bagages, mais jusqu'à présent, sur le nom, on voit que M. mettait l'autre nom, M. stabilisé. Le président M. Mandel, il n'a pas un problème avec Chesnel, il n'a pas un problème avec Chose. Le président Jovenel Moïse, il n'a pas un problème avec Chesnel, il n'a pas un problème ni à Yuela Tortue, ni à Chose Sensi. Alors, il n'a pas parlé, il n'a dit non, il n'a pas un problème. Nous connaissons que entre le président Joseph Michel Mandel et Yuela Tortue, nous connaissons déjà. Mais, la relation Jovenel Moïse et Yuela Tortue, je ne dis pas très cordial, elle est très très bonne. Mais il y a une relation politique qui est équilibrée. Je vais vous donner un exemple. On a été frais, oui, le 5, 6, 7, 8 juillet 2018, madame, monsieur. Mais ça passe. N'ont-il que Yuela Tortue avec Jovenel Moïse sous des bagages dans le pays? Il était pour mettre donc on a sous contrôle. Donc si il y a un problème vrai avec Yuela Tortue, les 6, 7 et 8 juillet 2018, je venais d'en parler, vous avez un tape chaud. Et, qu'on y a... C'est vrai, parce que moi, Tigouaf, t'es chaud, mais qu'on n'arrive pas à répondre. Qu'on est frais, qu'on n'arrive pas à répondre. Donc, Chesnel Pierre, vient deuxième élément important, qui est pratiquement sous table. Il y a des gens qui ont parlé avant, qui ont tout à gauche, à droite, mais il y a des gens qui ont fait sur les réseaux sociaux, et maintenant, il y a des gens qui ont parlé. Donc, où est Ignace? C'est vrai. Ou que Chesnel Pierre, que député eux-mêmes, l'équipe de changeurs, ils ont clé sous ça. Mais il y en a pas pour nous connaître, vous dire. Attendez bien, oui, madame, monsieur. Initiative pour éliminer le Parlement. L'idée d'éliminer le Parlement, est toujours là sur la table. Et si le Parlement est pour bouler le bureau, et sur question du Premier ministre, que ça a arrivé. On vous dit ça? Mais des députés me parlent avec une majorité. Ils disent, nous sommes tous des hommes, nous sommes tous des hommes. Plus belle voix dans le pays. Si ce n'est pas eux-mêmes qui mettent le Premier ministre, chaque dit la photo, mais fait 3 ans comme ministre, Premier ministre de missionnaire. Vous êtes tout ça. Madame, monsieur, va oublier. Qu'est-ce qui va voter le Premier ministre? Député et sénateur? Il n'y a pas de l'Assemblée nationale, lui. Non, pas de l'Assemblée nationale. C'est, oui, c'est dans la chambre séparée, oui. C'est député et sénateur. Pour vous pensez que le député va lever, même comme si le vote au monde, il n'y a pas aucun intérêt à la donne. Il y a l'élection 2019. Eh oui. Non, on a dit d'une autre façon. On a dit d'une autre façon. Comme on voulait, on sait que de gros dans le pays, hein, politique ou pas, businessman ou pas. Qu'est-ce que vous m'avez affirmé? Madame, monsieur. Qu'est-ce que vous m'avez fait là? Moi, j'ai des gens qui mettent les paquets de députés. Vous avez écrit à côté, qu'est-ce que vous mettez à démolir? Qu'est-ce que vous mettez à vendre? Qu'est-ce que vous mettez à affirmer? Qu'est-ce que vous mettez fragile? Les gens qui mettent fragile, ils sont fragiles. Non, ils disent nous connaissons ce qui flippe la pio. Ils sont fragiles, ils sont fragiles. Mais que les députés vous mettez à démolir, bon côté. À démolir, on dit qu'il faut finir avec ça. Qu'est-ce que vous mettez à affirmer? Comme si dès que vous avez ou font le bas avec vous, ils ont mis à vendre, ils ont dit ça, c'est l'autre pays besoin. Donc c'est nous-mêmes, l'autre côté besoin, Chili. Et que les députés ont mis fragile, bon côté. Fragile, ils ont dit, flip, flap, yo. Ou qui va l'arriver? C'est nous qui va l'arriver. Ou close ça? Ou j'aime l'information ça? Oui. Les députés ont marqué à démolir, bon côté, yo. Et ce monde qui peut éliminer, qui sont marqués à fermer, qui sont marqués à vendre.
qui sont marqués fragiles. Donc, mi bataille qui est là, madame, monsieur, qui est déjà sous question, puis Mathieu. Troisième nom qui vient sous table là. Jean Baden Dubois, l'actuel gouverneur de la Banque centrale. Nous avons des autres, non, ça. Est-ce que nous avons des noms, ça sorti? Jean Baden Dubois, Fonds monétaire international. Ah. Ok? FMI, clair sous question. FMI, qui a cru que nous n'y capable de venir ministre pour eux. Donc, son nez qui connaît. Chiffre, l'argent, bien. Donc c'est Jean Baden Dubois qui sous table donc proposé, soutenu par le Fonds monétaire international. Il y a l'autre monde là qui a fait lobby, qui a fait ça, qui a fait tomber longtemps. Mais toi, non, ça y est, on regarde pour nous, ça va le bail. Car il y a l'autre nom qui vient, oui, mais jusqu'à vous dire, chef, madame, monsieur. Il a changé après-midi, il a changé de matin. Gagnon, c'est Jovenel Moïse 100%. C'est India Sefla. Gonlot, c'est ensemble député. L'équipe de choses de Chancy. Qui comprennent le jeu de Gary Baudoua. Il a fait le jeu avec Gary. C'est Chester Pierre. Et troisième nom, donc c'est Jean Baden Dubois, qui c'est FMI. Mais attention. Bon, non, c'était là, on dit pas la dedans. Je ne comprends pas parce que mercredi, moi, je m'appelais Odim. Pas ça, non, mais vous annoncez que oui. rapport sorti dans le coussin des comptes. Là, il n'y a pas de mal. Il y a un gros exemple de ce qu'on fait par rapport à ça. Sénateur, tout ça? Oui, tout le monde comprend en quoi là. Ah bon? Si capable de venir, il faut tout le monde venir. Même la mort, il faut venir. Ah bon? Et puis, quand il voit tout qui levé. Qui levait et qui mettait, qui baille pinga à président Michel Madrid, à président Jovenel Moïse. Donc, capé, bois. Donc, toi, nous sommes là, sous table, madame, monsieur, donc, sous question, premier ministre. Maintenant, et comme on dit, les cas changent depuis tard, les cas changent demain matin. Mais nous-mêmes, nous sommes dans le sénat pour vous. Ok? Minutieusement, donc, dans l'émission, matin, débat. Mais quand l'autre lobby qui a fait, il lobby qui a fait là, sous base position au départ Haïti, qui lui-même n'y croit son cohabitation. Il a gardé là effectivement qui possibilité peut être capable d'analyser la proposition de ODEP, cohabitation. Quand il y a qui croit que c'est là que le président Jovenel Moïse a dû aller. Il y a lobby qui a fait là pour Vanel Durandis, Nègre Léogan. Il est en forme, oui, vous faites cohabitation. Cohabitation, c'est en forme. Cohabitation? Ah, en forme, oui. Mais justement, cohabitation, c'est avec Mme Maniga Boudafet. À qui est-ce? Mme Maniga. Il est bon. Parce que c'est lui-même qui était dans l'élection avec Yo. Il jouait Jovenel Moïse. Mais c'est le bagage, il faut toujours connaître l'international. Il jouait Michel Martelly toute la journée. Il faut le connaître international, là, toujours crainte la famille Maniga. États-Unis. Parce que le a discuté, et ça le dos là. Il est très pointu. Ce c'est à discuter. Non seulement ça, il y a une histoire avec les Maniga. Ah. Ok. Les Américains, donc. Parce que il y a toujours besoin de monde flexible. Yeah. Ok. C'est là la question. Donc, je dis, hein, président Jovenel Moïse, il retourne en force. On a parlé avec nos amis pendant le week-end. Monsieur Campé Machine, il me dit, Louko. Je ne sais pas qu'on est. Si mon monde est bien, bien, mais je veux dire, c'est moi qui te fais la confidence. Pas grand monde qui partent de l'Oukodési. Et pas grand monde qui part d'accord à sa équipe m'a de bâtir dans le pays. Parce que quel que soit ça nous dit, tout le monde vient well. Dans 3 jours, dans 4 jours, dans 1 mois, dans 2 mois, dans 3 mois. Et dis, moi, il faut analyser avec vous. Mais, vous n'avez pas besoin de dire ça dans la radio, ils sont. Son cadeau ou qu'a peut-être fait l'équipe au pouvoir. Est-ce que vous pensez que m'taka ou relayer en fait l'analyse que vous faites avec nous? Bon, c'est un cadeau. Mais comme on a conçu le pays,
Voilà, monsieur, entre temps dans la palais là. Où ils sont là, l'eau dans le chaud. Même pied le bagarre mette dans le palais national. Nous sommes de dire que. Bon bataille. Si c'est vrai, il t'a mérité un petit cloche. Bon bataille en trois étapes matin. Ou pas de cloche là? Non, parce que on va pas les donner votre. Oh, ne donnez pas de qui? Eh, bon maçon. On va pas les donner pas de qui? Ou pas de cloche là? Non, on va pas les donner pas de qui? Ok. Là, dit. Écoutez. Vous sont là l'eau en difficulté. Cloche à tout, il va aller caraler tout. Ah, mal et non. Ah ouais, cloche à rouge. M'acheter dans Saint-Jacques. M'acheter dans Saint-Jacques Major. Bon, parce que il y a des bagages pour nous comprendre. Une série de noms normalement qui t'a doué. Et continuez à respect dans le pays. Hein? Vu engagement, personnage, on série de personnages habitués prennent dans le pays. Hein? Donc nous pensons que choix président Jovenel, côté le sauté, etc. Responsabilité ministre la lotte gagné et n'a choix ça et accompagné fidèle. Hein? Fidèlement jusqu'à présent, d'après ça me connaît, c'est gon fidélité entre Wilson avec Jovenel. Donc, ma connaît. Bagala gâté, et dis-nous que m'a confirmé information pour nous. La seconde truc là qui est passé pendant le week-end, que le sénateur Youla Tortue t'a réélu, président Jovenel, pour dire que c'est le premier ministre. Mes amis, et c'est faux, sénateur Tortue, président, comment nous y est? Comment nous y est, me salue les députés là, me salue toute l'équipe là. Et, mais, le coup de vieux, on a attendu ça, là, pour y aller. Parce que quand on déclare le président pour me dire, c'est moi qui suis premier ministre. C'est le président qui doit choisir le premier ministre. Et moi-même, pas d'aucun contact avec le président. Et, ni m'a pas la présidente depuis ça. Donc, moi, j'ai confirmé, puis, d'arriver pour le chat, moi, j'ai réélu, les dîmes, c'est pas vrai, son monde qui utilise Twitter. Pour mettre ça, mais c'est pas vrai. Et, puis, mon temps, pour retrouver dans une situation comme ça. Parce que moi-même personnellement, c'est d'abord une grande légèreté quand même, président. Mes amis, plutôt que vous mis le président, il me dit, bon, regarde, mais moi-même, je ne suis pas carré le président, je n'ai aucun droit dans la question du premier ministre, et la sens à tout, et je ne suis pas carré le pour me dire mon côté. Donc, moi, je pense que vraiment, c'est une information aujourd'hui là qu'il faut. D'ailleurs, le monde qui était non garé qui était voté, ils vont y avoir l'autre note pour le démentir ça, que n'y pas de faire. Donc, moi, je pense que nous habituons à ça, mais malheureusement, il y a des mondes, ils prennent ça simplement comme habitude, essayer la guerre nouvelle ou du moins dénigrer le monde, c'est dommage. Très bien. Ok, bien, sénateur, attention, on ne peut pas parler pendant qu'on y est. Et moi, il y a deux sénateurs qui sont là, donc comment nous apprécions ça? Bon, malheureusement, Louko n'a pas dit ça arrivé. Moi-même, comme président de la commission éthique, moi, j'étais parlé à sénateur Lambert sur la question, pour lui amener du contrat. Et nous vient entendre que le contrat, ça, il n'y a pas qu'à Kembel, puisque, il y a plusieurs bagailles qui font bagailles à Kembel, donc faut que le contrat nous résilie. Et sur la question du sénateur Ricard, c'est une question de Delco, qui était clos, puisque Delco a sénateur Ricard, pour le porter Jacques Mel au moment que vous finissez le roi, ni vient vous soulever, et le sénateur qui a essayé de porter Jacques Mel, c'est un problème. Donc, moi, je demande au président Lambert que le sénateur a porté Delcroix au niveau du Sénat, et le Sénat, au moment où vous portez le bureau approuvé, il a porté Delcroix. Parce que, écoutez-moi, quoi que la situation, ça y est, il n'y a pas fait honneur à corps là. Et là, nous vivons, nous devons reconnaître que n'est pas bon pour que nous portions des solutions. Et je pense qu'à partir de la situation, ça a gagné d'autres décisions qui prennent le Sénat pour un meilleur fonctionnement. Eh bien, il y a une tendance, semaine dans l'opinion, bon, c'est sûr que vous êtes capable de suivre. Et pour y avoir, en fait, il y a des gens, alors nous étions des présidents Garibono qui étaient même dénoncés. Que gon vérité quelque part de certains secteurs, pour ta même incendier Parlement. Et je dis en pile flèche qui voyait sous Parlement, sous sénateur et député, mais ou même en tant que sénateur de la République, qui j'en vive moment ça, voilà. Bon, premièrement, il faut nous garder deux questions. Premièrement, le monde qui t'a voulu attaquer le Sénat. Eh bien, il y a pile monde, justement, qui soulevait le problème là,
intérêt par yo, par peut-être anarchie que vous voulez mettre, attaquer institution yo, mm-hmm. parce que pas donc aucune institution aujourd'hui, que le palais national, que la justice qui va défaire blessure. Les institutions demeurent le bastion de la démocratie et c'est chaque jour pour améliorer parce que c'est moun yo qui la d'ailleurs. Et je crois que ça, président Garibo de Décolonel, tout le mec de Décolonel, c'est des mondes qui ont profité de nos bagages parce que ils ont même fonctionné que dans l'anarchie. Mm-hmm. Maintenant, au niveau du Sénat, reconnaître que il y a des bagages qui arrivent dans le Sénat qui vont besoin d'arriver. C'est un problème que vous posez. Et la plus grande chose pour tout homme d'État ou toute personnalité, c'est le gros problème qui est posé, nous reconnaître et nous prendre des dispositions pour nous corriger. Moi, je crois que de la vie institutionnelle, l'année dernière, le Sénat c'était la grande forme, 42 lois étaient votées, il y a des contrôles qui ont fait, il y avait un bon bilan. Cette année, nous avons des faux pas, nous avons des problèmes qui posent. Moi, je crois que nous avons courage pour nous mettre ensemble, pour nous poser, pour nous résoudre et pour nous faire institution avancer. Très bien, très bien. Et pendant que nous parlons du Sénat, il y a un nouveau bloc. Est-ce qu'on fait partie du bloc, ça, sénateur? Non, on ne la donne. Non, on ne la donne parce que, comme je dis, moi, je suis dans le groupe majoritaire. Là, depuis janvier, je ne vais pas t'inviter dans aucune réunion. Okay. Moi, pas actif et je ne pour qui ça. Moi, je simplement fait un fort recul. Je dis, ah, c'est pas moi qui éclate le groupe là. Le groupe là éclate pour contre lui. Moi, je crois que moi, pour un recul, je vais garder. Mais moi, je suis très ouvert pour que je regarde le groupe. Il fait partie, justement, de vie politique là. Mais pour le moment, moi, félicite les sénateurs qui ont même pris position au fond des groupes. Ils disent que ils ne vont pas participer dans le gouvernement, ils ne vont pas désigner le monde. Ils sont simplement là pour contrôler. Ils ne vont pas pour le gouvernement, ils ne vont pas contre lui. Mais ils vont le dire, je vais garder. Moi, je crois que c'est une évolution. Parce que longue majorité dans le Sénat, on arrive dans une situation que, eh bien, bagala allait dans le sens, moun battant des mouns, tout le monde allait dans le seul sens. Je crois que, justement, cette pluralité peut amener une meilleure vie institutionnelle au Sénat de la République. Oui, mais qui s'est capoté, qui s'est changé tout, en fait, ce nouveau bloc? Ça a capoté, c'est que le président n'a pas quoi que je dis à n'importe qui s'est passé, la majorité, quoi, le répliquer. Eh bien. Moi, je pense que le groupe ça. À partir de formation, il nous a un groupe là, il y a 10, par un groupe majoritaire, il faut 16 pour certaines décisions. Mm. Donc, il y a au moins 19 sénateurs qui dehors toujours. Donc, s'il y a deux ou trois groupes, il y aura un équilibre au Sénat. Très bien. OK. Et, dossier Premier ministre, selon vous-même, qui est-ce qui a donné les premières missions de nouveau Premier ministre pour Haïti? Très bien. Moi, pour que ça crive l'autre joie, monter brigade, c'est une cause occasionnelle. Il y a des causes profondes qui font que ça a été arrivé et que le TK a éclaté à n'importe quel moment. Par exemple, la question de la mauvaise gouvernance, la question de l'inorganisation des forces de sécurité, la police ou l'armée, la question de Petro-Caribé, que mon yo comme ça, il gaspillé, et puis mon peut-être qui prend comme yo là, et puis il y a des taxes sur mon yo pour yo payer comme ça, alors que le TK a arrêté mon sa yo. La question également, moi, TK a dit, justement, de certaines arrogances du pouvoir. Donc, tout problème ça yo, qui vient mener là, eh bien, c'est que l'homme monte Gaza, bah, elle a éclaté. Je dis à moi, quoi, que, un premier ministre, en personnalité, en ville là, eh bien, personnalité, ça, c'est lui qui doit deuxième étape. Première étape là, c'est garder cause profonde, et puis dit que, faut résoudre Petro-Caribé, faut résoudre question mauvaise gouvernance, ça, pour ne pas son pays gouvernance.